Eh bien salut à tous Authentic Gamer, aujourd'hui on se retrouve pour commenter une vidéo un peu spéciale parce que dans cette partie vous allez voir ma première partie de Melee Générale dans ce Call of Duty Ghost. Pour vous le prouver, vous inquiétez pas, j'ai été en fin de partie, j'ai pensé avoir vite fait le classement du salon. Vous allez voir que j'ai gagné la partie, ça a été intitulé dans le titre. Et j'ai fait du 30 victimes et 7... 7 morts, et ben ça c'est juste ça qu'il y a dans mes statistiques de classement mondial pour vous prouver que c'était ma première partie générale. Et vous allez voir qu'elle va un peu mal tourner vers le début, enfin un peu mal au milieu vers la fin, mais dans l'ensemble ça a assez bien tourné. J'ai piqué la place du premier camp fin de partie, et donc ça l'a notamment fait rager, on va dire un tout petit peu. C'était je me rappelle plus du pseudo. Bref, donc d'abord je vous dis un petit peu des nouvelles de la team et tout. Donc la team elle avance bien, on a recréé un compte officiel ce coup-ci. Attendez, oups, ouais, je mets tout de suite en recharge mon PC parce qu'il a plus de batterie, Osef. Et donc aussi le truc qui est ballot pour nous, c'est qu'en fait on XP au départ, on XP la WAO avec une petite vague, enfin c'est le nom de la team, on XP cette team là, mais j'avais complètement oublié, enfin pas oublié, mais c'était pas un clan officiel, il fallait que je supprime ce clan là et que j'en recrée un autre à partir d'une application, je me rappelle plus trop, enfin bref, un truc bizarre quoi. Et puis là je me mets, je veux télécharger l'application Call of Duty Elite Ghost et ça met que je peux pas, je sais pas pourquoi, c'est au niveau de mon portable. Et puis pas de bol, il n'y a pas d'application sur PC, donc là franchement c'est totalement dégueulasse de la part de Infinity Ward. Franchement j'ai trouvé ça, c'est super super con, tout comme les EEI dans Ghost, c'est vraiment super con, enfin ça je reviendrai juste après. Honnêtement c'est vraiment con, j'ai jamais vu rarement aussi con de qu'on puisse créer une team officielle qu'à partir d'une tablette ou d'un portable. Je veux dire exemple le mec qui est assez court financier, imaginons qu'il a pas de portable et qu'il a juste assez pour sa team play et tout, il doit dire pour créer la team et tout, déjà il pourra pas la créer sa propre team, il faudrait qu'il rajette un portable avec l'application et tout. Et comme par hasard, c'est seulement pour les Galaxy Ace 3, tout court, les Samsung Galaxy Ace, je sais pas pourquoi, mais c'est les Galaxy ACE pour vous. Parce que Ace 1, Ace 2, Ace 3 ou Galaxy ACE c'est totalement différent. Moi j'ai Galaxy ACE et puis ça met un bug du portable et j'ai hâte qu'ils aient corrigé ce bug. Ils ont fait des mises à jour pour les Samsung Galaxy S et puis ça a toujours pas fonctionné. Alors là, bref. Donc là vous avez pu voir que j'ai décroché ma requête, Trinity. Là un bug de connexion, un gros bug de connexion. 10-2. Mais ouais, donc j'ai réussi à avoir ma requête de Trinity en temporisant un peu. Et là, je me suis dit que si j'arrivais à m'occuper de cet espace en mettant ma petite EEI, tout le monde y joue, donc j'aurais pas pourquoi j'y jouerais pas avec. Et puis le truc pour avoir l'oracle lorsqu'un ennemi marche dessus, et j'arrivais sans problème à tenir cette position pendant pas mal de temps. Donc je vous explique d'abord pourquoi je fais une partie de mêlée générale, parce que c'est vraiment médiocre ce que je vous propose. Tout simplement parce que j'ai créé une vidéo, donc là pour vous dire elle a 69%, ça fait 15h31 qu'elle est en création sur Vegas, et il me reste encore 6h57, bon ça doit être la connexion, on reste sur la boucle, parce qu'elle va dire qu'une heure et des boîtes. Dans cette vidéo là, c'est juste pour vous faire patienter, je vais rien du tout vous troll, mais on a fait juste une petite extinction, et puis je vous dis rien d'autre, mais vous allez voir que c'est plutôt bien passé pour ma réelle première partie. Et je remercie, dédicace à Valentin, Maxime et Linko. Donc en parlant de Linko et Maxime, donc en fait c'est juste après eux, après je vais pas dire on s'embrouillait parce que ce serait totalement faux, je vais vous dire ce qui s'est passé. En fait on joue en domination toute la journée et puis arrive un moment j'ai senti qu'une latune envers eux, ils arrêtaient pas de entre guillemets critiquer le jeu. Et donc on n'arrêtait pas de perdre parce que c'était chacun pour sa gueule. En fait le truc c'est que depuis les KM sont quand même de plus en plus réalisables dans le jeu, faut pas se mentir, combien de fois j'étais à 20 frags et tout, alors qu'au début, de la sortie du jeu j'étais loin d'être à 20 frags. Et donc depuis c'est plus en plus réalisable,
et ben et tout le monde joue pour sa gueule entre guillemets, et on ne joue plus du tout objectif player quoi. On ne joue plus du tout ça. Et donc j'en avais marre de prendre des défaites gratos en pleine gueule. Et donc j'ai dit, je vous dis ce que je leur ai dit. Les gars, je m'en vais. Désolé, je m'en vais. Salut, j'ai fait un parti de mêlée générale. Autant jouer tout seul quoi. Et là, première partie de mêlée générale. Juste, ça fait même pas un quart d'heure que j'ai terminé cette partie. Et bah voilà, donc première partie de mêlée générale. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer de réaliser une bonne partie pour vous dire ce que j'avais à dire. Et en l'occurrence, l'attente d'un mode extinction présenté avec Devil, Supra et. Amouris et moi. Voilà, voilà. Donc le EI pour Linko, EII pour Max, je crois. Non, ça c'est Linko aussi. Enfin bref, le I, c'est vraiment un truc assez shit, on va dire, parce qu'il y a aucune. Attendez. Oups. Il y a aucun moyen de l'esquiver à partir du moment que c'est déclenché, au moins de le déclencher à très 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 longue distance. C'est vraiment, il n'y a aucun moyen de ne pas se prendre en pleine gueule et de ne pas mourir comme la Betty Mondissante. Et c'est ça qui fait que c'est un peu médiocre, qui rend le Call of Duty un peu niqué. Et puis pareil, c'est la communauté, pareil. Hein. C'est au niveau de la communauté. Bon, je sais bien qu'en disant ça, je ne change rien du tout. Je ne ferai jamais rien changer. Mais si je peux en changer, ne serait-ce que 3 ou 4 d'entre vous. Les campeurs, si vous campez d'habitude, essayez de bouger, découvrez vos maps et tout. Bougez en temporisant, comme moi dans les précédentes vidéos. Au départ, je connaissais rien du tout, j'étais un vrai débutant. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on prend du niveau, c'est en bougeant, en progressant, en jouant, en s'amusant. Et c'est tout simple, après c'est la zone du relais. Regardez la petite turn de ma part, excellent, avec mon chien. Ah oui, les chiens. Là, ok, vous avez vu ce qu'il fait mon chien, mais c'est incroyable, c'est The Chihuahua, The Klebs, The Berger allemand. Mais franchement, les chiens, c'est un peu... Bon, on va pas se mentir, c'est un peu cheaté. Mais après, c'est les strikes sont les mêmes pour tout le monde, le jeu est le même pour tout le monde. Donc moi, j'utilise tout ce qui est un truc qui m'est cheat, mais c'est tout à fait normal parce que les autres l'utilisent. Donc je vois pas pourquoi moi, j'utiliserais pas. Bon, un petit mot d'au revoir parce que c'est la fin de la vidéo. Je suis vraiment navré pour cette petite vidéo. Alors si vous avez aimé cette vidéo, bah, commentez la vidéo et puis laissez un petit like. Oui, donc commentez la vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Au passage, dédicace à tous les abonnés qui sont venus ce dimanche 24/11/2013. Je vous en remercie vraiment beaucoup. Ça m'a fait chaud au cœur de vous voir dans faire une partie avec moi. Et donc bye bye à tous et prenez soin de vous. Ah oui, je vais vite vous faire voir la preuve que j'ai. Que j'ai fait quoi, oui, tu vois, ouais, la preuve que c'était ma première partie, donc vous laissez voir, et salut, prenez soin de vous.